Coucou les filles, et bien aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Steampod de L'Oréal Paris. Donc le Steampod, qu'est-ce que c'est? Le Steampod avant tout c'est un lisseur vapeur. Donc ça c'est la première partie, donc c'est le lisseur, il se présente comme ceci. La petite plus c'est que là vous avez le peigne pour démêler les cheveux lorsque vous allez passer le lisseur sur les cheveux. Et ici, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits trous pour laisser diffuser la vapeur du Steampod. Donc après c'est des plaques en céramique, tout ce qu'il y a de plus classique sur un lisseur. Par contre, la deuxième partie, donc ce qui permet au lisseur de laisser diffuser de la vapeur d'eau, c'est ce petit bac. Donc dans ce petit bac, on met de l'eau déminéralisée. Alors pourquoi de l'eau déminéralisée? C'est parce que tout d'abord c'est une eau qui est anti-calcaire et anti-tarte. Et c'est pas conseillé pour l'utilisation du Steampod d'utiliser l'eau du robinet. Donc l'eau déminéralisée, c'est des petites bouteilles comme ça d'un litre. Voilà, vous en trouvez un peu partout dans les grandes surfaces. C'est pas spécialement cher, donc voilà. Alors en fait, pourquoi je vous fais une vidéo à ce sujet-là? Parce que quand je dois me faire un brushing ou me lisser les cheveux, et ben tout simplement je mets 1 heure à 1 heure et quart, donc c'est hyper long et du coup je suis pas vraiment motivée pour me le faire alors que j'adore avoir les cheveux lissés. Enfin je trouve que ça me change de, voilà, de ma masse de cheveux et de mes cheveux ondulés. Alors qu'avec le Steampod, je vous ai fait un test sur Snapchat et c'est un peu l'objet révolutionnaire pour moi parce qu'en fait ben, je mets tout simplement 20 minutes. Donc je trouve ça assez fou. Et voilà, donc je vais partager ça avec vous. Donc là je vais commencer, vous avez le avant, tac tac, et on se retrouve pour le après. Bon voilà, le Steampod vient de chauffer, à savoir que vous avez différentes températures, donc ça va de 140 à 210 degrés pour vous lisser les cheveux. Moi j'ai choisi 180 degrés par rapport à la typologie de mes cheveux, donc épais, frisés. Voilà, donc le petit bac il est rempli d'eau. Aussi, petite chose à savoir, c'est qu'il y a un sens pour se lisser les cheveux, donc comme ceci. En fait, le Steampod, il faut le tenir comme ça, la partie la plus arrondie, la plus grosse en bas. Et dès que je vais mettre mes cheveux et faire une pression, eh ben, il y a de la chaleur qui va se dégager sur mes cheveux. Donc voilà, c'est parti! Le résultat, alors moi personnellement je suis encore ultra over méga convaincue, toujours plus. Bon voilà, et ben le Steampod, tout ce que j'ai pu lire ou entendre ou voir, et ben franchement voilà, je trouve qu'il est à la hauteur de ce qu'on en dit. Moi j'en suis convaincue, mais est-ce que vous l'êtes? Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits messages en bas de la vidéo et je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc voilà, moi je suis conquise, j'espère que vous aussi vous le serez. Si vous aussi vous l'avez et vous l'utilisez, n'hésitez pas à me partager votre expérience. Et on se retrouve bientôt sur le blog les filles, bye bye.